Incroyable. La racouille, elle s'élève France. Grosse glisse. Oh merde. Aujourd'hui, je suis sur la moto de William. J'ai prêté la mienne à mon père, qui roule depuis de nombreuses années sur des engins un peu plus conventionnels de type brum 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 brum. Actuellement, elle est sur un 660 XT, donc ça lui change un peu du gros bousin. Maniabilité x 1000. On va rouler un peu et puis il vous fera un peu ce qu'il en pense. Même si bon, il a déjà essayé, mais là sur la neige, c'est un peu. Mais même moi, hein, autant de neige là, c'est une grande première. Hein. Donc on va voir ce qui se passe. Hein. Mais je sais même pas si on va pouvoir aller bien loin, mais on va tout donner. Ce qui passe en arrière. Oh putain. Au minimum un pied qui sécurise. Là, c'est à droite normalement, merde. Ah ouais, mais c'est ça dans toutes les forêts en fait. Attends, on va voir le chemin là, ce qu'il fait. Vraiment idéalement c'est là dedans ce massif. Et là je crois pas que ça passe dans la poudreuse, non. Sinon on part vers là bas hein. Tu lèves bien à l'inter. Ouais. Trop bien. Et roule de l'autre côté. C'est un truc de fou! Yeah! Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est un sacré engin pour améliorer son pilotage en fait. Tout est très fin, très précis. C'est chouette, c'est comme on va pas vite, du coup on peut appréhender les choses sans jamais avoir le sentiment d'être en danger. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes principes qu'avec la moto, que ce soit sur la route, la pluie ou les chemins, en termes de réactivité, de charge, de déplacement de charge. Mais c'est tellement sensible que quand on est sur la neige et qu'on peut pas avoir confiance en l'avant, du coup c'est génial de sentir à quel point, juste ça, on touche à rien, rien que là avec les fesses dans la selle en fait, on fait varier la charge, on juste corriger. Ouais. On peut même arriver à rouler comme ça pendant... Ouais. Et là, tu vas se remettre, donc c'est vraiment un jeu d'équilibre permanent. Donc elle danse à trage. Non, putain, c'est juste là-haut, quoi. Là, à gauche. Je sais pas si on y arrivera. Il se passe quoi, là? Incroyable. La galère, ça doit tellement flinguer la batterie ça. Oh. 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 Oh, incroyable. Oh. Ah. Désolé William.
le délire. Il est vraiment en train de marcher. La patrouille des éléphants. Oh, du grip. Waouh. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de fou comme c'est trop beau. Il y a vraiment trop de neige là. Ah, et puis en plus, il y en a certains qui se demandent qui font ton gabarit là. William, il avait pas sa potence, du coup, on a mis une petite potence de vélo un peu surélevée. Plus un guidon avec un peu de rise. Et t'es bien là, non, en épaule et tout. Ah, je suis beaucoup, beaucoup mieux, j'ai aucune tension. Alors qu'il n'y a pas de rehausse de selle. Et encore, peut-être... on n'a pas piloté rapide off-road. Ouais, là, c'était plus situation, mais je suis vraiment bien. Tellement visé juste. Parce qu'après il existe aussi les rehausses de sel. Je sais pas si tu te sentirais mieux plus haut. Du coup on va se retrouver. Ouais. Bon là on est plutôt à plat donc pour les vieux comme moi c'est bien. Mais oui c'est sûr que la rehausse de sel pour le. Mais en même temps du coup c'est tellement facile de se récupérer. Ouais c'est clair. Arrache les yeux. Grosse glisse. Voilà, donc c'est un engin qui permet vraiment tout, quoi, et qui est vraiment un outil pour monter en niveau, en feeling, en ressenti. On se fait plaisir tout le temps, partout, quoi. Wow. Trop bien. Je comprends pas s'il faut charger l'avant ou le délester. Oh, délester à mort. Oh. Putain. Oh merde. Oh non non papa. Non ça dépend des fois en fait. Oui mais on va mettre des fonds. Ah regarde là ça tourne. Et c'est bizarre que toi ça le fasse et pas moi. Un peu froid, un peu chaud que le caoutchouc il a l'air. Bon oui du coup pour ceux qui savent pas, ça fait genre 4 ou 5 sorties que tous les deux on roule à plat avec Will. On a crevé derrière, on essayait de descendre en pression parce que sinon c'était chelou. Voilà on est trop descendu, du coup bah on a crevé mais finalement ça roulait bien. La jante tournait pas dans la roue mais là c'est la première fois que je vois ça. C'est pour ça que je me traîne, on va faire comme au Dakar. Trop beau. Hein? Ah ouais? Ça fait bizarre quand ça agrippe là-dedans, là. Oh non, je l'ai pas moi. Putain.
peut faire remonte-lui si vous voulez.